Salut, Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Romain parce qu'il nous a fait un gros soutien à la chaîne via PayPal. Merci beaucoup. Merci à tous. Dans cette vidéo, on quitte la plage de Paposo et vous verrez qu'on part quand même un peu large. On a failli se planter pour rien. Où ça? On est parti de la porte ouverte et puis je sais pas, on est passé sur une marche de sable. Ah oui, je sais plus ce qu'on a fait. Ouais. Direction l'observatoire, d'ailleurs bientôt le plus grand au monde. Bah vous verrez ça dans la vidéo parce qu'on a été visiter l'observatoire. Faut savoir que vous allez voir. L'observatoire. Il faut réserver. VLT. Ouais. VLT. Paranal. Et l'autre, il s'appelle, je sais plus. Vous extra verrez ça. Extra large. Extra large télescope. Je sais plus. Ouais. Télescopio. 39 mètres de diamètre. La lentille, c'est énorme. Ça, c'est le futur. Ouais. Donc petite visite du télescope, c'est intéressant, c'est gratos, c'est pour ça qu'on l'a fait. Par contre, vous verrez que pour pouvoir y aller sans avoir réservé très à l'avance, il y a moyen, mais faut. Ça peut être compliqué. Voilà. Par contre, on n'a pas vu une étoile. Bon, normal, on y allait de jour, mais il n'y a même pas une photo d'étoile. Ça, c'est un peu abusé, quoi. Ils auraient pu mettre au moins quelques prises de vue de ce qu'ils voient, quoi. Mais bon, la petite visite était sympa, ouais. Voir des trucs comme ça énormes, c'était pas mal. On a dormi aussi, vous allez voir, dans le désert d'Atacama pour attendre le jour J. On reprend la route et on est très très juste en gasoil, comme à chaque fois. Grave. On fait les gros rats sur le gasoil, on n'avait pas réfléchi qu'en fait il n'y avait pas de station service. On hésite même à aller à la main du désert. Parce qu'on n'a vraiment pas de gasoil, on est vraiment des crevards. Vous verrez qu'on a quand même été à la main du désert. Ouais, et ensuite, direction... Ça s'arrête là, je crois, non? Ça s'arrête à la main du désert. Ça s'arrête à la main du désert, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, petit poisson. Quand même. Pas dégueu là, hein. Ouais, la peinture. La peinture. Elle met la bouche cette peinture, t'as vu? Non, j'avoue. La vue est sympa. Alors, on va manger notre petit poisson. Nos petits poissons parce qu'on avait plusieurs sortes. On quitte la petite plage à côté de Paposo pour continuer plus au nord. On pouvait prendre soit la route côtière, soit... Stop! Arrête-toi! Arrête-toi! Il y a la passerelle et la porte est ouverte. On va bien se planter maintenant. Sur la montagne par là, là c'est la route qu'on va chercher. Au final, on prend pas la route côtière, il n'y a pas de village, il n'y a rien, et puis ça nous rallonge, donc on va prendre la route au milieu du désert. Et il faut qu'on monte tout là-haut, hein. Je sais pas si vous voyez le camion par là-bas. On quitte Paposo direction Antofagasta.
Allez, petite pause. On va aller voir le petit hôtel. Julien colle notre stickers. Les gens laissent des petites offrandes. C'est fou ça, à chaque fois faut monter pour redescendre. Voilà la route, ils ont dû la stabiliser. Et ici, il y a un petit coin pour faire brûler des bougies à l'abri du vent. Et regardez en face là, il y a de la verdure. Et c'est la rivière qui passe par là. Il doit pas y avoir souvent de l'eau, mais en tous les cas, il y a de l'humidité au moins. Bon allez, nous, ça continue à monter. On n'a toujours pas passé le col. Regardez dans le GPS, on est dans les montagnes. Dans les nuages, pardon. Et alors on a fait les cons, c'est qu'il aurait fallu qu'on réserve à l'avance une visite. C'est gratuit en plus, mais on n'a pas fait la réservation. Et le problème, c'est que là, il va falloir attendre plusieurs semaines avant qu'il y ait des places de libre. On va quand même aller voir, on ne sait jamais. Des fois qu'ils nous disent qu'on puisse faire la visite malgré tout, mais a priori, ça va être mort. On tente, qui ne tente rien n'a rien. Allez, on remonte encore la petite montagne qui est devant nous et l'observatoire il est en haut. À partir de ce moment-là, il faut mettre. Il faut éteindre les feux. Il faut rouler en veilleuse. Alors c'est pourquoi? C'est pour la nuit ne pas perturber l'observatoire? Je sais pas. Bon ça y est, on commence à le percevoir en haut de sa montagne, l'observatoire. Ici, on a une petite piste d'hélicoptère. Ah, et en contrebas, il y a encore des bâtiments et c'est caché, cela. Et je crois qu'il y a aussi un hôtel quelque part dans le coin.
Ouais, c'est un gros observatoire, hein. Tiens, contrôle obligatoire d'accès. Bon, on va demander là. À mon avis, dans tous les cas, c'est cuit. Ah ouais, je pense, ouais. Bon, il faut se garer en marche arrière. C'est pour aller au boulot, tu vois. Grave. Dans les boîtes, dans les sites sensibles, on dit. C'est la position prêt à démarrer en cas de problème, en cas où l'usine risque d'exploser. Bon, je filme avec mon tel là, pour vous filmer. On est au-dessus des nuages, mais je pense qu'on n'attendra pas grand-chose avec le vent. Je sais pas si vous voyez les nuages là-bas. On est à 2300 et quelques mètres d'altitude. Et on vous explique dans la cabine. En tout cas, c'est sympa les nuages là-bas, dans le fond là. Alors, on vient d'aller voir... le gars à l'entrée, il a été super sympa. Il nous dit qu'en fait, à chaque fois, les gens réservent et viennent pas forcément. Donc, il nous dit, regardez si vous pouvez réserver. On avait déjà regardé ce matin, il n'y avait pas de place avant longtemps. Là, on regarde, il y a deux places disponibles samedi à 14h. Dans deux jours. C'est ça. Là, on est jeudi soir, on va dire. Donc, il nous dit, vous venez au moment de la visite, vous réservez les deux places, vous venez au moment de la visite un peu avant. Et vous discutez avec les guides et il y aura sûrement des places libres puisque les gens ils réservent et ils ne viennent pas. Il a dit à chaque fois c'est comme ça. Voilà, parce avec que globalement, il y a 80 places à chaque fois à peu près. C'est ouf ça. Et sur les 80 places, c'est pas plein, c'est jamais plein. Donc, on a hésité, mais finalement, on a quand même réservé nos deux places pour 14h. Mais il nous a dit, même le matin, venez samedi matin, parce qu'il y a une visite à 10h le matin ou à 14h le samedi. C'est que le samedi, hein, si vous voulez visiter ouais. Ici l'observatoire. Donc, 10h ou 14h. Et venez avant l'heure de la visite, vous discutez avec les guides et ils arriveront sûrement à vous trouver des places en plus. Donc, 5 places le matin, si on vient le matin, puisqu'on n'a pas réservé du tout. Et si jamais le matin, il n'y a pas de place, on a juste à attendre jusqu'à 14h. On a déjà 2 places de réservées. En espérant qu'il y en ait 3 qui se trouvent. Et voilà. Donc ça veut dire qu'on passe une journée complète dans le 10h au milieu de nulle part. Hein, parce que concrètement, bah, il n'y a rien. On ne peut même pas rester stationné ici. Il faut qu'on redescende. Et alors, on a un autre petit problème. Quel est le second problème? Déjà, il n'y a même pas de réseau pour regarder les vidéos sur YouTube pour s'occuper demain. Et l'autre problème, c'est qu'on est juste en gasoil. Parce que si on veut aller voir à la main. Et ensuite aller faire le plein Antofagasta, la main du désert, là, il y a 140 km. Et il nous reste 40 litres dans les bidons. Et là, à mon avis, il ne reste pas grand-chose. Bravo Julien d'avoir prévu tout ça. Merci Julien. Et on est au milieu de nulle part et il n'y a rien. Donc, bah, je sais pas, on verra. Faut pas trop qu'on gaspille de gasoil, quoi. Une chance, c'est qu'on est monté. Et je pense que maintenant, on va redescendre parce que pour aller à Antofagasta, c'est plus près de la mer. Donc, on va redescendre, donc peut-être on va moins consommer. Donc, demain, c'est journée école. Ouais. Et montage vidéo, mais j'ai pas mal avancé. Et on peut même pas trouver de musique. Et puis, de toute façon, on va pas rouler parce qu'on a pas de gazole. On va juste sortir du parc et attendre... stationner samedi. Quelque part au milieu. Et on sait même pas si on fera la visite. Et d'ailleurs, il y a un film de James Bond... qui est... Quantum of Solace, ouais, un truc comme ça, de 2015, ouais. Je crois. Qu'ils ont... Non, 2008. Ou 2008, ouais. Ils ont tourné ici, là. J'ai regardé, il y a des extraits sur YouTube. Je sais même pas si je démarre, on essaie d'aller en roue libre. Le problème, c'est que ça monte, là. Ça va pas le faire, là. Je pousse pas. Ils sont hyper prévoyants, ici. Il y a des voies de freinage, je sais pas comment on dit ça, des voies d'urgence, mais un peu partout, c'est là. Regardez. Jamais les freins lâchent et on en a déjà croisé avant et il y en a encore une autre plus loin. C'est fou ça, ils sont prévoyants. Alors que sur certaines routes, tu fais des bornes et des bornes sans en voir une. Ouais, une autre. Mais ouais. Bon, on a pigé le réservoir, il doit nous rester à peu près ça dans le réservoir. Donc on estime que ça fait peut-être 50 litres, un petit 50 litres. On va mettre nos deux bidons qui nous restent et... C'est les derniers litres de gasoil argentin. Faut croiser les doigts quand même pour arriver jusqu'à la prochaine station en Antofagasta. Alors on s'est arrêté là, un petit peu au milieu de nulle part. On n'est pas loin de la route principale quand même.
Histoire de patienter une journée dans le désert. Alors, il n'y a vraiment rien ici. On aurait mieux fait de rester une journée de plus au bord de la mer, finalement. Grave. Et comme de toute façon, on n'a pas de gasoil, bon, on ne peut pas bouger. Et on espère vraiment faire la visite samedi, parce que sinon, ce sera la merde. Ça, c'est la XTG Family, ça. Toujours très prévoyant. On pige à nouveau pour voir où on arrive avec les deux bidons en plus et refaire d'autres calculs, voir si ça a l'air de correspondre à quelque chose. Combien de litres? On est à 30 cm. J'en sais rien, mais on est à 30 quasi. Vas-y, fais voir. On est par là quoi. Voilà, tu te mets à la mi-hauteur. 30. Non, non, tu mesures 15. Là, je dis. Mets-toi à 15. 50. Eh non, tu prends au hasard, c'est au milieu qu'il faut prendre. 50, 66, 30. 100 litres. Allez, 80 litres. Vous avez vu? Tac. Les effets de l'altitude. La bille est sortie de son logement. Vous avez entendu le... Décompression. Allez. 24 000 km. Ce matin, on se lève avec. C'est pas sorcier. Ici, dans le nord du Chili, nous allons explorer le désert d'Atacama, l'un des déserts les plus arides du monde. Quand l'air qui vient de la mer, froid et humide, rencontre l'air chaud et sec du désert, eh bien, il se forme une épaisse couche de nuages qui vient buter contre la cordillère de la côte. Mais je vous rassure, hein, au-dessus des nuages, le soleil brille de tous ses feux. Et voilà. Vous avez vu les quelques vidéos d'avant? Il faisait toujours brumeux, sableux dans l'air, bizarre. Et une fois qu'on arrive dans le désert, plus de nuages et le soleil tape. C'est génial parce que là on a l'émission et on y est quoi. Donc le cours est vraiment dans le sujet quoi. Il existe des déserts où il fait froid. Non, ce qui caractérise un désert, c'est le manque d'eau. Et ici, il pleut en moyenne moins d'un millimètre d'eau par an. De mémoire d'homme, dans certaines zones, on n'a jamais vu la pluie. Allez, aujourd'hui c'est jour J, on est samedi, on n'a rien filmé d'hier, donc on est resté là hier, tranquille. Mais nulle part. Pas un bruit. On s'est regardé du C'est pas sorcier, on a fait des montages vidéo, une grosse journée d'école. Et là c'est parti pour l'observatoire. Allez. On fait chauffer, tranquille. On va monter à... On doit être à 2000 là à peu près, on va monter à 2003 à l'observatoire. Et ensuite on remonte plus haut si on arrive à faire la visite. Dans un minibus je crois à 2005, 2006, quelque chose comme ça. Bon bah on attend, il y a du monde. On attend voir si... Apparemment il y aurait 10 personnes en moins. Mais il y aurait une famille de 3 de la semaine dernière qui viennent aujourd'hui, plus nous. Donc on devrait être pas mal. On attend le guide. Et regardez comment ils viennent livrer l'eau potable. Avec des semis carrément. Je sais pas où ils vont la chercher, mais soit Antofagasta, ou en tout cas c'est que de la montée, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Bon bah impeccable, on peut faire la visite, on est accepté, c'est bon, donc bah, c'est cool. Comme ça on peut aller faire la main du désert après et tracer sur Antofagasta. On a mis notre casque. Putain, ils donnent même pas de charlotte. Allez, on monte dans le bus. On met son casque pour aller dans le bus. Attention hein. Salut, on est dans le bus, on est même enfermé, il y a carrément une porte là-bas dans le passage cabine. Et c'est parti. Allez, on vous emmène faire la visite de l'observatoire Paranal au Chili, dans le désert d'Atacama. Allez, là on est en haut, à la base des télescopes, donc ils font des petits groupes de 10. Nous sommes ici au VLT, Very Large Telescope. L'observatoire est financé par 16 pays européens et bientôt viendra se rajouter l'Australie. Le VLT est composé de 4 télescopes principaux et de télescopes secondaires plus petits. Nous sommes ici dans le télescope Cuyenne. La structure complète pèse 400 tonnes et tourne à 360 degrés grâce à un électroaimant placé sous son socle.
Au centre, au-dessus de la structure blanche, il y a un miroir de 8,20 m en forme d'assiette qui pèse 20 tonnes. Le télescope peut aussi s'incliner à 90 degrés. Pour protéger le miroir lors de ses déplacements, plusieurs vérins sont placés en dessous pour corriger d'éventuelles déformations. La coupole au-dessus du télescope tourne, il y a une porte sur le côté et le toit peut également s'ouvrir pour permettre d'observer l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud. La lumière arrive du ciel, tape le miroir en forme d'assiette qui concentre la lumière vers un deuxième miroir au sommet qui renvoie tous les rayons au centre du télescope, soit directement vers les instruments sous le télescope ou via un miroir incliné vers les instruments à gauche ou à droite. Les instruments de l'observatoire sont optiques et infrarouges. Optique, c'est ce qui est visible à l'œil nu, et infrarouge, ce sont les sources de chaleur. Les instruments à infrarouge nécessitent d'être maintenus froids en permanence via l'utilisation de nitrogène. Par exemple, ils ont un spectromètre qui divise la lumière pour voir ses couleurs. Ça donne des informations sur les étoiles et notamment leur distance. Les pièces contenant les télescopes sont climatisées pour adapter l'ambiance à la température de la nuit précédente dans le désert, pour éviter la déformation des miroirs avec les changements de température. Pour contrer la dissipation de la lumière quand elle pénètre dans l'atmosphère, ils utilisent un gros laser qui vise l'espace et l'étude de la déformation du faisceau du laser sert à corriger la déformation de la lumière engendrée par l'atmosphère terrestre. Pour couvrir le miroir en cas de pluie, ils utilisent une bâche. Bien qu'il pleuve rarement, et principalement en février, ce qui correspond à l'hiver altiplanique, aussi appelé hiver bolivien, il y a en moyenne 14 jours de pluie par an, et en octobre, il y a des épisodes de vent fort qui empêchent l'observation du ciel. Au maximum, c'est un mois d'observation qui est perdu dans l'année. Le VLT est le plus productif au monde en termes de jours où le ciel peut être observé. Tout a été prévu pour protéger les télescopes. Ils sont notamment équipés d'un système antisismique qui accompagne les mouvements de la Terre. Il y a également plusieurs petites fenêtres qui équipent le dôme pour permettre le passage de l'air et stabiliser le flux pour éviter les turbulences. Le télescope est même équipé de plusieurs anémomètres pour mesurer la force du vent et ainsi optimiser les mesures. Ce qui permet au miroir de refléter la lumière, c'est une très fine couche d'aluminium qui le recouvre et qui est refaite environ tous les ans. Pour ça, ils doivent retirer le miroir avec toute la structure blanche en dessous et le transporter plus bas sur la montagne jusqu'à un hangar où une nouvelle couche d'aluminium sera pulvérisée. Et comment font-ils avec la poussière? Le miroir est lavé environ toutes les 2 à 3 semaines. Pour retirer la poussière, une mousse à moins 80 degrés est pulvérisée en surface pour engendrer de mini-contractions superficielles sur le miroir qui décolle la poussière. Il suffit ensuite de l'incliner pour que la poussière chute au sol. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, juste au milieu, là, on voit le miroir, hop, je vous descends un peu, qui est incliné vers là. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand ils captent, ils transmettent les informations sur ces appareils-là. Donc en fait, j'imagine que c'est des mesures différentes s'ils les font sur ces appareils-là, sur les appareils là-bas ou sur les appareils qui sont en bas. Oui, ils ont juste à adapter l'inclinaison de ce petit miroir, donc soit vers là, soit vers là-bas. Soit ils enlèvent le miroir pour que ça tombe directement sur les instruments du bas. Alors, il y a différents télescopes. Nous, on vient du numéro 2, un des plus gros, puisqu'il fait 8,20 m. Mais il y en a des plus petits qui sont disposés un petit peu tout autour et qui peuvent se déplacer pour pouvoir observer plus facilement les étoiles. Je ne sais pas si on voit, il y a des espèces de rails. Là, on voit mieux tout le système de rails qui permet de déplacer ce télescope pour le placer de manière plus appropriée en fonction de ce qu'ils veulent voir. Allez regarder la vue depuis le haut de la montagne, on est à 2600 mètres, et là c'est le Pacifique en contrebas. Un jour comme aujourd'hui, avec des nuages qui se diffusent un peu partout, c'est rare. D'habitude ici, le ciel est bleu-bleu, et la couche de nuages est limitée à 1500 mètres d'altitude à peu près, donc ça fait le plus souvent une espèce de couche de nuages qu'on voit un peu là, mais qui n'est pas si visible que ça, qui est bloqué en raison des conditions climatiques de la zone, en raison de la cordillère des Andes, de la cordillère côtière et aussi du courant du Humboldt, qui est un courant marin froid qui passe le long des côtes du Chili dans le Pacifique. Il crée un choc thermique avec l'air chaud du désert et l'air froid du coup marin
et qui fait que cette couche de nuages reste à peu près toujours à 1500 mètres. Alors elle se diffuse un petit peu sur 20 km dans les terres, sachant qu'ici on est à 12 km de la mer. Donc c'est vrai qu'ici ça peut arriver qu'il y ait un petit peu de nuages, mais normalement ils ne sont pas là-haut puisqu'ils restent coincés à une hauteur de 1500 mètres. Là, c'est le bâtiment où les gens travaillent. En fait, il y a à peu près 4 étages et ils ont un tunnel pour accéder directement au télescope s'il y a un problème qui survient ou s'il y a trop de vent pour sortir, ils passent par ce tunnel-là. Et du coup, les astronomes, ils sont là parce que finalement, les personnes qu'on peut voir dans les télescopes, c'est les gens qui vont faire les réglages, la maintenance. Ici, on est sur le télescope le plus moderne au monde. Ils ont, pour se donner une idée, environ 5 demandes par jour d'études. Il faut imaginer qu'une étude, ça dure rarement quelques heures. Si on doit choisir un thème principal qui s'étudie ici, ça serait peut-être les exoplanètes. Mais ils ont des télescopes tellement grands qu'ils peuvent aussi observer des galaxies tellement loin que je ne saurais même pas vous dire la distance. Mais en réalité, ils étudient de tout. Si vous regardez bien au fond, on voit une espèce de dôme. C'est actuellement en construction, ça sera le plus gros télescope au monde. Le bâtiment va faire 40 mètres et le miroir fera 39 mètres de diamètre. Celui qu'on a été voir tout à l'heure, il faisait que 8,20 m. Là, 39 mètres de diamètre constitué par des petits miroirs d'1,40 m. Et ils pensent que la fin de la construction, ça sera en 2028. Avec ce télescope, ils espèrent pouvoir déterminer si sur les exoplanètes qui ont été déterminées comme... où pouvait y avoir de la vie, si effectivement il y a de la vie ou pas. Ne me demandez pas comment ils comptent faire, mais a priori ils ont cet objectif-là. Et aussi essayer de voir mieux tout ce qui est formation de l'univers, tout ce qui est expansion de l'univers. Bon, alors je ne pense pas que vous arriverez à le voir, mais là dans le fond on voit se dessiner une montagne, enfin un volcan plutôt, et qui est aussi à la limite avec l'Argentine, ce qui fait qu'on peut voir la limite de l'Argentine là, et qu'on peut voir le Pacifique là. On peut voir les deux côtés du Chili depuis cette montagne. Les mini-télescopes là, alors mini, pas si mini que ça, hein, c'est des télescopes secondaires. Ils s'en servent pour faire une espèce de perturbation avec les grands pour permettre d'augmenter la réception de l'information. Vous imaginez comme s'il y avait des ondes qui arrivent ici et des ondes qui arrivent ici. Sur le même signal, ils voient les mêmes choses. Et les ondes, une fois qu'elles se recoupent, ils arrivent à augmenter l'intensité quelque part de l'onde pour avoir une meilleure information, plus lisible, pour en fait créer un peu comme si l'ensemble des télescopes, là, en fait, faisait un télescope de 130 mètres de diamètre. Finalement, plus grand que celui qui est en construction. Mais évidemment, c'est une information transformée pour obtenir ça. Donc elle n'est pas d'aussi bonne qualité que si on l'obtient avec un très gros télescope comme celui qui est en construction et qui est optique. Imaginez ce télescope de 40 mètres qui fera 3 fois la hauteur de celui-là. Pourquoi ils ont tout peint en blanc ici? Parce qu'en fait, ça nous détruit la rétine là. Ben, c'est pour refléter la lumière et pour que le sol n'emmagasine pas de chaleur. Parce que sinon, la nuit, quand ils observent les étoiles, le sol relargue la chaleur et perturbe tout ce qui est signal infrarouge, puisqu'ils se servent aussi d'instruments infrarouges. Donc, c'est volontaire que tout soit plus ou moins blanc. Quand ils veulent sortir le miroir, ils le sortent par la porte qui est là. Et ils utilisent le pont qui est là pour sortir ce miroir. Et après, ils le descendent dans un hangar pour refaire... l'aluminium qu'il y a dessus. Le bâtiment qu'on voit là, c'est le bâtiment où logent tous les gens qui sont ici. Il est très bien intégré au paysage. On voit juste la façade de ce côté-là. C'est pour ça que je vous la montre maintenant, parce qu'après, quand on le regarde de l'autre côté, on voit tout juste le petit dôme qui dépasse. Regardez le petit dôme. On voit absolument pas le bâtiment qui est en dessous, où logent ceux qui sont ici, qui travaillent ici. Alors pour des soucis d'écologie et d'intégration au paysage, et ben en fait ils l'ont fait dans une espèce de cuvette naturelle au bord de la montagne. Du coup c'est complètement intégré. Là on a l'impression que c'est plat alors qu'en réalité le sol en dessous du bâtiment lui est en creux.
Et il y a 4 étages, on est sur un bâtiment de 4 niveaux. Donc dans la partie la plus extrême, il y a 4 étages. Donc là, on voit bien comment ils ont intégré le bâtiment au sol existant, en fait. On a une pente naturelle. Alors, évidemment, ça a été remodelé, mais ici, en fait, il n'y a rien. Hein, c'est le sol. Et là-bas, après, ici, on voit, il y a le niveau 4, niveau 3, qui est un peu l'aire commune où les gens peuvent profiter. Donc, il y a la piscine. Au-dessus, là, au niveau 4, il y a une espèce de self, la cuisine. Il y a une salle de musique. Il y a plein de salles d'activité, en fait, pour les gens qui viennent travailler ici. Et après, derrière ce mur-là, sur les 4 niveaux, il y a des chambres. D'ailleurs, il y en a déjà un petit peu là, sur le 4e niveau en hauteur. Ah, c'est quand même malheureux qu'on n'ait pas une photo d'étoile ou de planète. C'est quelque alors, chose. Alors, ouais, il y a un beau, une belle exposition de photos, mais il n'y en a pas une d'étoile, quoi. C'est malheureux. Alors, il y a 108 logements ici. C'est jamais plein. Il y a aussi des logements en dehors d'ici. Ça, c'est le dôme qu'on voyait de l'extérieur. Donc, en journée, ça laisse passer la lumière. Et la nuit, la lumière qui vient de l'intérieur ici est totalement occultée pour pas que ça nuise au télescope. Donc en fait, ils tirent l'espèce de rideau pour occulter toute la lumière qui pourrait sortir du bâtiment. Et là, il y a quand même une piscine en bas, hein. Un petit jardin. Dehors, ils ont un gymnase pour permettre aux gens de vivre le mieux possible en étant ici, puisqu'il y a des personnes qui restent 15 jours complets, qui rentrent après 15 jours en ville et qui repassent comme ça par groupe de 15 jours. 15 jours là, 15 jours en dehors. Ça, c'est le projet qu'on a vu sur l'autre colline avec, comme on vous a dit, plein de petits miroirs d'1m40 assemblés. Et en tout, 39 mètres. Extrêmement large télescope. Mais ça sera sur le même principe, hein. Les premiers miroirs qui reçoivent les informations, qui les rejettent sur un autre miroir qui est en l'air et qui les renvoie dans la partie centrale. On quitte l'observatoire Paranal. C'était une visite sympa, ça dure 1h30, 2h. Alors c'est sûr qu'on ne voit pas d'étoiles ou de planètes ou rien, parce que la visite se fait 2 jours, mais découvrir un peu les appareils qu'ils utilisent et toute la construction, enfin, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Les enfants, peut-être un peu moins, parce que c'était pas très visuel. Toi, Julien, t'as trouvé ça comment? Pour ceux qui n'ont pas pensé à réserver une visite, bah, si vous pointez le samedi matin ou le samedi après-midi, donc à 10h ou à 14h, il y a souvent un peu de place qui reste parce que les gens ne viennent pas forcément. Regardez sur le bord de la route, ici il y a plein de rochers peints avec des têtes. Moi, ça fait quelque chose à voir au milieu du désert. La vallée de Martès y a marqué. Voilà, c'est ça. Petite pause au carrefour. Par là, on peut aller voir la main du désert. Il y a 19 km. Et par là, on va directement à Antofagasta. Le truc, c'est qu'on n'a plus vraiment de gasoil. Donc, on va piller avec le maître pour voir. Il nous faudrait, pour être à peu près sûr, jusqu'à la première station service, environ 50 litres. Et vous n'avez pas une jauge? Non, pour 40 litres, c'est pas assez fiable. Hein. Ouais, non. 21 cm. Fois. On te met à la moitié, prends ta mesure par là. 44. Fois. C'est toujours pareil, mais on s'en rappelle jamais. 66, 21, 44, 66. 60 litres. Sobre. Si on tombe en panne, vous saurez pourquoi. Sobre, sobre. Il va rester 10 litres. On s'en fout même s'il en reste 2 du moment qu'on arrive. Soyons fous, on tente, on va voir la mano du désert. Alors en réalité, c'est pas grand chose, c'est juste une sculpture de main qui sort du désert, mais on a vraiment envie de la voir. Donc bon, on va faire 40 km pour aller la voir. Ça y est, on arrive, regardez la main du désert. Allez, on va aller la voir de plus près, faire quelques petites photos. C'est quand même balèze. C'est largement plus haut que le camion, donc ça fait largement plus de 4 mètres de haut. Allez, c'est le moment de la photo.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.